Tesla partage un look impressionnant dans les coulisses de Giga Berlin. Alors du coup, il y a des nouvelles choses à découvrir. Se référant à Giga Berlin comme la machine qui construit la machine, Tesla commence sa visite virtuelle avec un drone volant à travers l'atelier de carrosserie et la zone d'estampage. Dans cette section, 13 pièces de carrosserie différentes sont abouties avec une force totale de 7 300 tonnes. Tout cela se produit très rapidement, Tesla révélant que la ligne de presse peut produire jusqu'à 16 pièces différentes par minute. Et quand il disait Ferrari, le PDG de Ferrari, qu'ils ont révolutionné l'industrie automobile, hein, c'est pas pour rien. Hein. Nous jetons ensuite un coup d'œil au soubassement arrière que Tesla a révolutionné en utilisant une presse giga, une gigapresse donc, pour réduire le nombre de pièces dans le châssis arrière de plus de 70 à un seul moulage. Dans ces zones de l'usine, il y a plus de 600 robots qui soudent les pièces en boutique et les coulent ensemble, explique Tesla. Puis entre Godzilla, l'un des plus grands robots industriels jamais fabriqués, qui prend la carrosserie de la voiture formée et la soulève dans l'atelier de peinture, qui a déjà été décrit par Musk comme le plus avancé au monde, permettant la peinture multicouche pour profondeur, dimension et un aspect peint à la main. Une fois peinte, la voiture se déplace vers la zone d'assemblage général où les pièces finales, comme les sièges, le CVC, l'électronique de puissance, les unités d'entraînement sont encore installées, et plus encore sont installées, pardon. Tout cela est complété par plus de 1 000 employés, répartis dans plus de 20 stations automatisées. Alors, est-ce qu'on va regarder toutes les vidéos ou est-ce que ça va être un peu long peut-être? On va voir. Combien de temps ça dure? Ouais, non, ça va. 20 secondes par-ci par-là, ça va aller. Franchement, c'est spectaculaire. Hein. C'est pas mal la façon dont c'est filmé avec le drone là. C'est vraiment bien fait quoi. Voilà comment sont construites vos Tesla, du coup. C'est beau, hein? C'est magnifique. Allez. L'avant-dernière. Vous voyez, finalement, ils font de la pub, hein. Ça, c'est de la publicité pour Tesla, hein, clairement. Hein. C'est de la communication, quoi. Hop. Vous voyez, tout le monde en parle, du coup, maintenant. Ah, c'est celle-là, l'avant-dernière, excusez-moi. Il en reste une, après celle-là. Il n'y a pas de son sur celle-là, d'accord. Écoutez, il n'y a pas de musique. Terrible. Déception totale. Et la dernière, pour finir, une dernière pour la route. Regardez tous ces employés sous-payés par Tesla. Bon ben voilà. Spectaculaire industrialisation. Usine vraiment. Enfin, pas révolutionnaire, mais très moderne, quoi, on va dire. C'est franchement impressionnant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?